nous sur Internet à partir de l'écran ordinateur, nous, écran téléphone, nous, ou bien sous télévision. Moi, dis-nous toutes, bonsoir. C'est le Cocktail TV Show qui rentre la caille, nous. Nom, c'est Falario. Nous, prenons passer un très bon moment. Nous, avons une interview intéressante et un peu d'informations qui pourraient tomber dans le magazine Information culturelle et de divertissement pour là. Yo, I'm people, yo. And I'm Richie. From class. Class it is, baby. To John, you watching. Cocktail TV Show, keep it live. Aye. Fella tout keo. Depuis nous tenons musique ça, depuis nous est logo ça, nous connaît que c'est Cocktail TV Show qui rentre la caille. Aujourd'hui, nous dans Casa Champette, un restaurant haïtien qui chita dans mi-temps Pembroke Pines, plus précisément dans coin Pines Boulevard et University. Nous même qui remet manger haïtien, nous qui remet ambiance musique haïtienne, nous eh bien Casa Champette offre toute qualité de d'événements, programmes et bien sûr yo servi manger haïtien. Donc nous ka checké yo et merci à et propriétaire Casa Champette, je parle de Gerline et Maximo qui t'ai accepté recevoir nous jodi an dans restaurant. Et c'est là nous t'ai une possibilité de rencontrer avec notre invité spécial du de la semaine. C'est un humoriste, un diseur, un producteur d'événements, un éducateur qui a bougé en pile, n'a gagné pour nous connaître qui est ça un peu plus tard. Mais bien sûr, dans l'édition jeudi, on a gagné Naëlie Fanfan pour la rubrique Beauty and Confidence. On a gagné Chef Célestin avec un autre plat que lui a présenté. Nous connaissons, ce sont les vacances, donc tout profiter pour me souhaiter joyeuses vacances, un pile programme et avec... Bien sûr, fais attention, prends précaution. Et tout le monde qui prend aller, prend plaisir et qui va agir à travers le monde. Donc, émission riche en informations. Et, mais juste avant tout ça, je vais inviter nous suivre. Il y a un petit moment que nous avons avec Gessler Mésidor, notre invité d'aujourd'hui. Il est humoriste, diseur, éducateur et producteur d'événements, et nous quand même dit que c'est un activiste parce que lui parlait sa pensée et lui pas peur critiquer parce que lui voulait changement, lui voulait amélioration. Donc je vous invite à suivre cette interview, cet entretien avec Gessler Mésidor. Comme j'ai annoncé dans l'introduction, moi j'ai avec jeudi l'humoriste, le diseur et on l'autre titre que mon gétanos blié et c'est éducateur. C'est Gessler Mésidor et monsieur gain en pile bagaille et dans sa clé et jeudi li banon ti moment pour parler de lui-même en tant que humoriste, en tant qu'artiste, il s'est évolué dans la diaspora, mais en tant qu'éducateur tout, et particulièrement au programme que il fait lancer. D'ailleurs, on va me dire, je sais, ou c'est et promoteur d'événements tout. Oui, bien sûr. Promoteur d'événements. Donc, Gessler Mésidor, bonsoir et merci le fait que vous nous entendez ça pour nous pour rencontrer avec auditeurs et spectateurs et Cocktail TV Show. Bonsoir Farah, et n'a dit tout téléspectateur et Cocktail TV Show, bonsoir, un plaisir pour nous là avec aujourd'hui. Je sais, me trouver que ces jours-ci nous attendons tellement pour parler de vous. Est-ce que c'est parce qu'on a préparé un nouvel album? Tout au contraire, nous on doit toujours bouger parce que nous dit
nous gagnons un mensuel et nous envahissons social media avec lui, nous envahissons radio avec lui. Nous toujours bouger, nous performer en dehors de Floride là tout. Mais oui, pour répondre à la question de manière plus directe, m'a préparé un autre album. Et son album qui t'a dû sortir dehors l'année, ou bien fin année ça, ou bien l'année prochaine, si Dieu veut. Donc ça, c'est Jesser Mesidor, l'humoriste, 10 heures, qui a préparé l'album. Oui. Après 4 albums, ou positionné comme un descendant ou héritier de Maurice Sixto. Et dis-nous, est-ce que nous avons toujours trouvé couleur Maurice Sixto dans le prochain album, ça, ou bien? Eh bien, peut-être moi-même, moi, et moi imprégné de philosophie, monsieur, de façon de faire, de façon monsieur dit, expliquer l'histoire. Je pense que c'est un genre difficile pour nous avoir mort là, quand même, du tout. Mais je vais réaliser que plus ça ne va passer, et m'entendez moins, moins redécouvrir moins, et m'da capable de dire, et me sentir mon petit Jean écarté moins, et plus m'a pas entré dans la vie, dans mon petit Jean écarté, mon petit cal en plus de moi chaque jour, pour moi rejoindre Gisèle. Parce que le premier album, dans mon était dans des mois net, et c'est un bail qui est naturel, parce que son artiste moi met en pile, fait tout en face moi, toute adolescence moi, entendez monsieur. Donc, l'homme respiré sous scène artistique là pour la première fois, c'était évident. Que tout le monde, c'était moi. Mais dans le troisième et quatrième album, il y a un petit écart. Tout petit, je pense que dans le cinquième album, qui va aller à Zipopolo pour Roma. Un mot difficile à prononcer. Reprends le titre. Oui, le cinquième album, il va aller à Zipopolo pour Roma. Oh my God. Même si on a dit 10 fois, je et Campbell. Donc, continuez. C'est ça qui fait nous créer le concert même. Bon, pour nous faire un peu linguistique pour nous prononcer. Oui, oui, hein? Oui. C'est ce qu'on a appelé en anglais un tongue twister. Son bagage, on monde met dit plusieurs fois, l'a toujours perdu lorsque dit. Vous comprenez? Donc, évidemment, on a travaillé sur lui. Nous, on a texte déjà. Et donc, on a tellement de préparation à faire. Nous avons un graphic design. Nous travaillons avec le monde dans le studio, musicien, tout, parce que nous avons un monde qui joue la musique pour nous dans trois albums. Donc, il faut nous mettre toute l'équipe ça ensemble avant de commencer à créer. Avant de commencer l'album, mais l'album a créé déjà. Ça fait 29 ans qu'on vit aux États-Unis. Ouais. Et donc, wow. Certainement, 29 ans quand même. Et ça, pour venir plus et identifier à diaspora, à Haïtien qui vit en Haïti. Et mais, ouais, et vivre ça, mais comment diaspora est, comment culture nous, comment nous développer dans son terre et d'adoption. Et dis-nous, comment ou adapter, comment, qui sont capotés dans le travail comme humoriste? Quittez-moi bonne question ça comme ça. Je pense que pendant 29 ans, ça, et Haïti pas jamais sauté dans moi. Malgré que je suis très jeune, je suis à 19 ans, je suis 48 ans qu'on y a là. Pour me répéter les mots de Mark Andal, il y a un frère poète dans le groupe Maron avec eux. Haïti n'est pas qu'à moi parce que je ne suis pas haïtien parce que je suis fait en Haïti, moi je suis haïtien parce que Haïti est fait dans moi. Ok, donc, si je suis fan ADN en deux, je vais jouer un pays, je suis chita là-dedans, dans le noyau, essence, je suis là, mais j'y et le processus d'adaptation, le fait qu'entrer ici, pas de bail qui est facile, comme nous tous les cas comprenons. Nous sommes un pays francophone, nous sommes un pays anglophone. Le barret là, nous avons une communauté qui n'est pas structurée, j'en structurée comme il y a là. C'est pour te marcher en pile avant, j'en ai deux, trois grenades haïtiens. Mais nous sommes une communauté qui est dynamique, et avec ses bons et ses mauvais sujets. Donc, adaptation en fait, et je suis content, c'est dans le sud-fleur de l'AMD, parce que c'est une communauté qui épanouit culturellement. Et moi, je suis un ambassadeur de la culture. Donc, vraiment, je sens que je suis un peu moi ici. Et je suis quand même témoigné que vous contribuez en pile à l'épanouissement culturel haïtien dans le sud de Floride. Là. Oui, oui. Parce que je me suis 10 ans de cela, je me suis fait rentrer tout. Et donc, vous avez toujours participé dans plusieurs événements. Et donc, vous avez positionné et fait mon connaître qui est souillé au côté humoriste la Caillouan. Et ça permet que vous avez aidé pour te drapeau noir et que tu noies très loin, et pas seulement dans le sud de la Floride, oui. Mais un peu partout quand on voyage. Si je me suis fait la première fois, j'ai rencontré son activité culturelle que j'ai fait. C'était bien ça. Et c'était une soirée de chansons et de poésie francophone qui était faite. Je m'ai rencontré par le canal André Fouad. Voilà, et André Fouad qui toujours. Mais moi, là, je reviens, pas vrai. Mais en dépit de tes 48 ans, moi.
depuis de mes 48 ans. Alors, 48 ans, ça, et Gessler, qui portait un peu de maturité la caillou, et on annonce un nouvel album. Dis-nous, qui ça, et quelle originalité, différence que y a entre le nouvel album là, avec les 4 premiers albums là. Bon, différence, c'est que nous accumulons un petit calme maturité. Pendant toute année ça nous gagne n'a fait ça n'a fait ya. Et m'bral vin avec une série que nous relé une série swing. Série swing là, il est vrai que c'est toujours des textes qui gagne mon là-dedans que nous bral écrit. Cependant texte ça bral beaucoup plus long parce que dans quatre premiers albums moi yo, m'a raconté des histoires qui longues et ça nous ta relé et gens littéraires que moi existo t'es exploité ya que t'explorer à tout et lire les audiences, c'est commencement théâtre lié. On monte qu'à prendre un gros morceau ou mettre dans pièce théâtre d'abord que vous faites en Haïti. On te qu'à prendre Saint-Anis ou mettre dans pièce théâtre. Excepté que dans le texte, dans le texte audience, on a un qui chita et qui explique tout le bail là, qu'il faut visualiser ce qui a passé. C'est ça que je fais dans le catalogue, moi, et tout, excepté les présidents d'Ivague. Cependant, dans Zipopolo pour moi, j'ai une idée pour moi venir avec une série swing en comédie. Côté que wap ke audience nan men texte a beaucoup plus court et puis on va saturer du monde à travers eux. Est-ce que l'album a visé seulement la communauté haïtienne ou bien et des étrangers ou est-ce qu'il y a un texte en anglais pour disons pour exposer à d'autres marchés? Pour une raison pour l'autre fois après 29 ans ici gagne du bail me fait en créole toujours. C'est comédie avec l'amour, pas qu'à faire nos camps. Donc ça dit tout. Ça dit tout, mais et toutefois nous connaît que à créole il y aller très loin et donc nous souhaitons que gagne plusieurs scènes en Afrique, en Europe, oui. Et on va pas attaquer. Oui oui, bien sûr. Bon, faut nous dire que l'album est arrivé en France et bon, c'est pas sous contrôle par que arrivé, mais il est arrivé parce que me gagne 11 amis qui était à travailler dans un journal en France et puis qui était vraiment des mondes de trois exemplaires et puis qui font monter des photocopies album en France. Oh my God! Il y a 10 qui ont gagné en France, mais il y a deux trois mondes qui sont les moins qui font connaître l'album dans les traversées frontières. L'album yo traversé frontières. Donc, et c'est vous qui avez produit l'album, ça, quatrième album? Oui, cinquième album. Non? Oui, mais c'est moi qui toujours produit parce que là, c'est moi qui produit pour les gens qui s'alvlent. Et c'est moi qui produit à faire ou choisir ça. Et juste là. Et on l'autre aspect de vie et de carrière professionnelle, c'est l'éducation. Ouais. Ou c'est on travaille dans l'école qui spécialise là, pour les gens qui ont autisme. Mm-hmm. Et autism cluster in Meadowbrook. Meadowbrook Elementary. Ah. Dans qui zone hier? Fort Lauderdale. La Fort Lauderdale. Et ça c'est dans la journée. Dans la journée. Dans la soirée où travaille dans notre Miami. Ouais, moi c'est dans notre Miami qui c'est une école qui dans la communauté haïtienne là dans North Miami et moi c'est monde qui vient apprendre parler anglais là le soir. North Miami Adult Education Center. Et travail carrière ça aspect ça dans la voie en tant qu'éducation. Est-ce que vous pensez que l'influence en pile et l'humoriste que tu es? Oh définitivement, on prend pile bagarre dans mes élèves. Tant que par exemple, m'ta pas apprendre élèves moi yo et m'ta ba des stratégies pour yo utiliser pour être capable d'apprendre l'anglais, je dis acheter une Bible anglaise parce que dans le contexte en français déjà, acheter une Bible anglaise, aller dans l'église américaine pour entendre des langues, de suggérer que éviter parler créole chaque jour, parler avec l'autre monde qui ne parle pas le créole pour forcer à apprendre l'anglais. Et puis, après deux mois, je me dis, teacher, tout ça, je fais. M'acheter une Bible anglais, mal dans l'église américaine, même des grandes femmes haïtiennes, même, me quitter avec. Mais avec une femme américaine, qu'on y a, il dit, moi, depuis les mois, ma femme américaine, la teacher. Je prends l'anglais, sous l'école, je prends l'anglais, je prends l'anglais. Oh my God! Je prends l'anglais. Faut le dire l'anglais. OK. No comment. Au grand, vous faire souffler par l'allemand, qu'on y a? Ça vous fait. On monsieur allemand pour chercher pour prendre langue. OK, donc comme je vais concentrer sur espagnol moi, on va voir si on capable. Donc sinon on va aller parler pour eux. Pour prendre langue, mais d'abord. Espagnol. Si vous voulez apprendre parler pour eux.
Ah, oh. Bon, OK. Est-ce que ça veut dire son proposition? Oui, oui. La porte est grandement ouverte. Oh, bon. Bon. Bonne entreprise. Bonne entreprise. Donc, moi, je ne sais pas l'espagnol. Donc, m'a dit plus. Donc, maintenant, dis-moi, mis à part de et travail d'éducation, ça qui permet tout, et développer des plaisanteries que, et toutes sortes qu'on présentait, on parle un peu plus de travail avec les gens qui ont autisme. Parce que son maladie qui est méconnue, nous en Haïti, ou qui peut être négligée, et il y a pile de gens qui, malheureusement, qui n'ont pas un encadrement, ou même qui vivent à l'étranger, qui conseille qu'on capote la communauté. Moi, je dis que je suis en Haïti peut-être 6 ou 7 ans. Alors, je suis en Haïti souvent. Même dans Haïti, 6 ou 7 ans passés, côté que je suis sous télé éclair, je suis sous TNH, nous avons fait un grand aller avec Paul Villefranchou de télévision. Nous avons parlé de autisme, nous avons allé dans le Nouvel Stone de Bayon, une belle interview. Oublié dans le journaliste, et puis les malais, on a fait recherche, on a fait un article qui dit l'autisme, une maladie redoutable en Haïti. Et c'est vrai, son maladie qui a validé à travers le monde, donc nous faisons partie dans le monde, nous sommes un élément ensemble, nous ne sommes pas épargnés. Autisme, c'est un trouble neurologique de développement lié. Le monde n'a pas fait avec elle. Si le monde n'a fait normal, il y a une interaction avec elle, il commence à parler. Vous comprenez, tout domaine du développement a fonctionné, physique, communication, tout le monde est très bon, il y a marché. Et puis, automatiquement, si le monde n'a arrêté, il fait un vol de face. Et puis, du jour au lendemain, si le monde a regardé l'interaction sociale, la campée. Et puis, il vient développer ça, nous avons un regard transfigurant. Si on a un regard, on a vraiment regardé à travers nous-mêmes. Et pas d'interaction sociale encore, si on a un bébé, il a développé une maladie. 50%, statistiquement, montre 50% de si on qui fait maladie, il a un bébé, il n'a pas parlé. Mais ça qui cause maladie, ça? Bon, comme je dis, c'est un trouble neurologique de développement lié. On n'a pas de bonne théorie qui derrière cause autisme. On n'a pas de politique tout, je pense. Dans un tout premier temps, ils ont mis on batterie de vaccins que le système de l'école dans le grand pays a demandé aux parents pour baïti mon nom avant mon nom entrée. Et c'est mon Rubella Measles qui s'est ça rempli au mal mouton avec oublié l'autre là français qui j'en dis oui en tous les cas. Et ils ont dit longtemps et vaccin ça y est le petit monde prend. Il y a gagné un drogue dans le vaccin qui a déclenché la maladie à la Kaïtimoun. Et regardez à qui la Kaïtimoun a développé la maladie à 3-4 ans. Il va le préparer pour rentrer à l'école vraiment. Pas vrai? Parce qu'il y a un programme préscolaire dans ces pays industrialisés depuis avant Timoun a 5 ans pour aller à l'école. Et la majorité de Timoun a développé la maladie depuis qu'il a 5-6 ans, il n'y a pas de maladie. Donc, la théorie, ça a un paquet de scientifiques qui ont rejeté. Mais c'est quoi? C'est une bagaille qui affecte les gens bon, ici. Donc, quand il y a l'autre bagaille, encore tant que nous sommes capables de dire aux États-Unis, pas même gens avec la caille, nous, côté que nous bâtissons avec ciment, avec bloc, bon, ici, ya, c'est ça, les sheet walk. Vous comprenez? Et sheet walk, là, lui-même, les caille, là, les bagailles, les conditions d'écriture, là, dans 78 degrés tout le temps, ou bien plus bas, ils ont développé, ça, les mots, que nous avons les limons, en créole. Yo dit limon là mon esprit là bon monde qui fait asthme monde qui a fait allergie souhaiter dans quartier gain limon dans coin yo les humidité a créer limon surtout monde qui habite dans zone qui défavorisée qui habite dans building l'état quand ça qu'on grand pile limon dans yo yo dit l'on femme enceinte respirer li bagaille ça qu'on affecté femme enceinte dans tout pour l'autre théorie c'est que monde qui manger et une série de fruits de mer qui gain en pile plomb là-dedans grand pile mercure dans yo. Le jeune mercure, c'est un affaire qui est réellement nocif, qui est capable d'affecter les gens et depuis dans votre maman. Okay. Donc, tant de théories, mais ce n'est pas ça qui est important. Autisme, c'est AIDS 2016 là, Yegounia, là. Wow. Parce que, le fait qu'entrer dans le branche en 15 ans passé, sous chaque 200 personnes qui fait aux États-Unis, il y a un seul grand personne qui fait autisme. Il y a là, sous chaque 200 personnes aux États-Unis, ou bien 67 timoun sous chaque 200 timoun qui fait autisme. Oh mon Dieu! Ça, c'est soit mettre petit fille avec petit garçon. Dans le cas, si c'est petit garçon seulement prend, sous chaque 200 timoun qui fait Kounia là,
ou gon affaire de 72 garçons qui développent autisme. Donc son bagage qui est extrêmement important que moun ka pense surtout jeune qui poukou te marié ka gon vie normal nan kay avec mari et ka fait ti pa chat avec ti ménage yo kon enceinte et puis y a caché ça et puis yo parle prendre les soins prénatal la kay docteur qui pou commencer checker ti moun fœtus là depuis dans ventre. Vous comprendre? On série de soins que ti moun nan besoin depuis dans premier 3 mois de gestation yo qui pour empêcher que cerveau fait volte face à lorsque ti moun nan sorti. Donc bon, c'est un sujet dont paquet de débat. Vous comprenez moins pour nous. Mais son sujet que nous va vraiment parler de lui dans la communauté haïtienne. Non, on va parler de lui puis gabli que la kaino autisme alpha peut-être lui contre tabou culturel milieu haïtien. Parce que toute bagaille nous pas comprendre nous dit pas maladie bon Dieu lui et puis faire l'autre route avec mon yo. C'est-à-dire l'autre route, c'est soit bon, plus précis. Si c'est vaudouisant nous dans la kaonga et pas oublier dans nature nous même tout haïtien vaudouisant, ça que parle en péristyle là, la l'internet ti mon nan jeune 40 jours en l'église protestante. Pendant que si peut-être yo t'ai allé kaon neurologue ti mon nan, neurologue là ta gain temps commencer développer un plan contre-attaque, vous comprendre? Pour ti moun nan pour maladie a pa valé terrain sou ti moun nan jan gen droit réellement causer en pile dégâts si parent pa loué neurologue là dedans. Donc je suis là pour aborder un sujet là qui est vraiment sensible et qui est vraiment triste tout parce que son problème social lié problème médical qui a envahi dans le monde et en Haïti nous connaît grand pile ti moun qui fait autisme grand pile moun ko wap gade moun nan k'ap grandi k'ap évolué et puis parents pas fait ça nécessaire pour te faire donc et nous penser que son bagage que nous avons besoin de développer toute une campagne d'éducation donc pour... oui qui témoin dit que bon ici gen loi fédérale qui protège tout monde qui fait n'importe quel handicap mais bon ici à la gen compagnie même privée qui investit des millions de dollars de recherche dans affaire et dans ressources et dans support yo bay à parents tout monde qui fait autisme bon la kaino de dans TNH avec Paul Villefranche l'année dernière me fait un débat avec Paul Villefranche en table ronde sur l'autisme avant que tu télévision parce que c'est ton bay qui t'a fait live avant que télévision. Nous avons fait de 4 parents qui viennent dans la télévision avec tout le monde qui dit non, qui dit qui ça pour nous faire parce que si on explique à Isapetit, l'école publique mettait tout le monde dans le dehors, l'école privée mettait le dehors. Oh mon Dieu! Donc, mais qui côté nous y est? Ça, c'était l'année dernière, en 2015. C'est le seul handicap international qui est en Haïti qui gagne en campagne annuelle côté que vous prenez une journée en Haïti pour sensibiliser le pays à sur l'autisme. Je ne sais pas quelle instance étatique ou gouvernementale. En 2016, la CAPFEL. Bien dit, Handicap International, qui c'est un ça veut dire ONG qui en Haïti. Donc nous-mêmes, quand regardons l'émission ça, qui est petite nous qui a nous suspect qui a souffert d'autisme, eh bien, j'espère vous remercier pour information. Hein. Allez dans Handicap International pour information pour nous capables d'aider et Timounio à autisme parce que son fléau mondial lié et c'est une et non, par aspect et dans l'interview ça que nous souhaitons qu'on puisse développer et partir ça pour nous parce que nous connaissons que c'est un débat et qui rentre dans tout secteur la vie c'est pas parce qu'on a parlé de culture on a parlé d'entertainment qui veut dire que ça va parce que c'est à travers justement la culture et le divertissement que et bien sûr à travers les médias que nous sommes capables d'informer éduquer et population hein. Alors et je sais comme tu as annoncé déjà, ou bien un panier rempli et qui est peut-être qui pas assez rempli pour parce que moi retourner dans mon spectacle que un programme qu'on présentait là dans Casa Champêtre. D'ailleurs encore une fois merci à l'équipe de Casa Champêtre et Jaline à Maximo et peut-être que nous recevons nous là jeudi hein. Et depuis et moi ça depuis la semaine dernière vendredi 10 juin on lancé Culture en folie dans Casa Champêtre qui c'est un programme qui fait chaque deuxième vendredi de chaque mois à partir de quelle heure nous commençons à 10h PM pour faciliter mon travail d'être arrivé à la calédorie parce que nous même Culture en folie nous commençons à 10h 3h, 4h, non, là toujours, comprendre parce que les parties culturelles, la feeling, DJ, musique pour mon heure de danser. Culture en folie, Dadil Farage, Jean, vieux amis, moi, Eustache Fleurant, et Gadeli, il dit que c'est un programme qui est unique parce que l'autre communauté, qui a une soirée de comédie seulement, qui a une soirée de chansons seulement,
en soirée de jazz, ce banana culture en folie, lorsque mon vini, c'est tout son cocktail. Nous fait, mais pas un cocktail Molotov. Son cocktail nous fait nous mettre ensemble plusieurs disciplines artistiques et culturelles. Donc, on nous fait défiler de mode. Il y a la poésie, il y a la comédie. Et les chanteurs de charme vini nous accueilli artistes de différentes tendances. Vous comprenez pas dans le nombre de temps que nous faisons. Et comme on se dit, c'est au mensuel lié, c'est le deuxième vendredi de chaque mois à Casa Champel. Qu'est-ce qui inspire et mettez le programme ça sur pied? Par exemple, on fait ça au remède. Et je souhaitais que mon cap suivait l'émission, nous fait ça nous remède. Nous sommes artistes, nous sommes promoteurs, comme on te dit. Moi, j'ai lancé ma promotion depuis en 2003. Et comme on connaît, nous faisons plusieurs spectacles avec plusieurs artistes de tendance, de jazz surtout. Et. Donc, le moins quand je fais la culture en folie, je joue des amis artistes qui ennuyent, qui disent, moi, juste là, on ne peut pas avoir une plateforme. Vraiment, dans la grosse communauté, ça, quand il y a des haïtiens qui vivent là, on comprend, nous avons une soirée balle, une soirée zoukio, cependant, une soirée culturelle, ça, tradition éclipsée dans la communauté noire. Donc, moi, je viens avec elle parce que moi-même, je suis en thérapie, moi, tout. Vous comprenez? Je viens avec elle pour satisfaire propre désirat à moi. Et puis, je viens avec elle parce que je suis artiste et je suis sensible. Et à créer une plateforme côté pour artistes venir pour exprimer. Donc, et culture en folie. Et on satisfait et demande la communauté en tout, parce que c'est une lacune qui vient dans la communauté haïtienne, dans la diaspora particulièrement. C'est que les plus faciles pour faire balle, de pour gagner un jazz ou un club blanc, balle là, en fait. Oui. Mais les plus difficiles pour produire. Un show culturel. Voilà. Mais qui t'aime d'où? Ça dit tellement important. Vendredi 10 juin, nous sommes là avec les frères Sinclair, Tatiana Pierre. Et André Fouad, Aubry Blague. Les frères Sinclair, ils ont chanté là jusqu'à 3h du matin. Et pas ballon, ils ont dansé, non? Ils ont chanté là jusqu'à 3h du matin. Tout le monde chita là, ils étaient retenus jusqu'à 3h du matin. Donc, ils avaient soif. Ouais. Ils avaient soif de l'ambiance, soif de nouveauté, de créativité. Et tant que vous avez mentionné, discipline et artistique et. Négligé. Oui, définitivement. Quand il y a la somme, on fait peinture, on fait bon, ou même, on te prend la danse. Depuis en Haïti, pendant qu'on vient là, ou on a des années, bon, ici, à la grosse communauté, ça. Est-ce que on a l'école de danse? Est-ce que on a un bon programme côté que le monde a venu? Yo a dansé salsa, a fait ballroom dancing. Vous comprenez, depuis tant d'années, ça, on a une communauté à la grosse communauté, ça, nous réduit signature culturelle haïtienne. À balle seulement. À balle. Bon, c'est pauvre, mais c'est que c'est triste parce que le pays a une richesse culturelle là-dedans, nous n'avons pas réduit l'accès à la comme là seulement. Et richesse culturelle reconnue par l'international. Donc, c'est tout simplement ces producteurs haïtiens qui n'ont pas gagné, qui pour mettre non seulement l'argent ou l'investissement en dehors, et en plus de ça, pour mettre travail, structure et qu'il faut pour pouvoir produire quelque chose de qualité, parce que production qualité, hein, ça demande, c'est exigeant. Et quittez-moi, dit, par contre, peut-être soit retiré ça me dire dans l'interview, moi, je pense que son honte, je dis même Jean-Marc Chalmay, voyons plot craché dans le bureau. Leader politique, nous, ni dans Fort Lauderdale, ni dans Miami, vous pouvez cracher dans le consulat haïtien. Hein? Parce que on peut voyager avec portefeuille et la culture. Portefeuille, là, c'est symbole l'argent, symbole ressources. Nous pas gagner l'argent, nous pas gagner ressources. Cependant, nous gagnons la culture. Non? Si le consulat, ça là, c'est le consulat là pour promouvoir la culture. Maintenant, mois de mai, je regarde l'activité qu'a faite dans moi, héritage culturel haïtien, pas gagner pour. Comment nous comprenons, nous avons célébré, nous avons fait kick-off party, moi, héritage culturel haïtien, nous avons un politicien qui prend activité, ça descend dans le port of Miami avec lui pendant que la communauté nous a là. Deuxième bagaille encore, je suis bagaille là sur la télévision, mon petit fils vient chanter Ave Maria. Vous comprenez? Nous avons placé les charrues avant les bœufs, nous c'est moun qui mettait livre tête en bas lorsque nous avons pour le avec les affaires culturelles. Nous mettons contre lui, nous sommes des analphabètes. Dans le domaine ça, parce que il y a une organisation, il y a un artiste qui est formé, qui est compétent, qui est capable de mettre un show ensemble pour les politiciens qui voulaient présenter un bagage, par étrangers, qui pouvaient nous faire ça, nous avons dit à coup culturel. Non. Ça, bon, démangeaison, moi, obligé de dire, si nous voulons retirer, nous, car retirer, mon plot craché tombé dans le bureau politicien, nous, que nous élus, plot craché tombé dans le consulat ici, en downtown Miami. J'espère, mes idoles.
Bon, eh bien, nous jouons le message là et Jessler, je peux te rassurer, ça n'a pas aucun editing. Donc, le message là, après aller dans le bureau commissionnaire, dans le bureau politicien, dans le bureau et consulat d'Haïti. Alors, faire avec attention, oui. Les gars carnaval, ministère des Affaires culturelles, voyez billets d'avion, payez chambre hôtel. Pour les gens qui parlent rien, pour avec la culture dans Miami, pour aller dans le carnaval, pour parler du gouvernement, mais ça, le gouvernement anti fait. Pendant que Journée internationale créole a fait là, il n'y a pas de présence, aucun leader dans le pays a vraiment qui est dans le consulat, qui organise une soirée autour de Journée internationale. Pour quelle raison, Franck Etienne Bakavine, je perds la tête là, la Journée internationale créole? Anale. Très bonne question et m'en rappelez-nous que nous avec Jesse Amézidor, l'humoriste, le diseur, l'éducateur et comme dit nous tous, c'est un producteur. Le tapageur. Le promoteur, non. Tu dis la vérité et si nous pas capables d'avoir courage pour nous critiquer et qui s'en a mal fait, si nous pas courage pour nous dénoncer, eh bien nous pas jamais un changement. Donc il ne suffit pas seulement pour nous faire teaser dans le téléphone, entre nous, dans les social media et puis là nous avons une plateforme pour nous parler parce que faut que nous dénoncer pour nous faire un changement et je t'appuie, Jessler, d'accord avoir gain pile bas et codi là, que c'est des constats que moi-même fais tout. Mais bien sûr, je suis bien content que vous-même vous avez ramené ce sujet ça et pour nous. Et tout à l'heure, tu as mentionné question de soirée et danse sociale qui n'a pas gagné. Faut me dire que gagné, m'a tout profité de mon coup de chapeau par James Salsa. Et tout partenaire Lio, équipe Lian, qui ont même décidé en partenariat avec Hollywood Live et Gérald Calico, eh bien, ils ont venu lancer le vendredi et soirée et dans vendredi le dans Hollywood Live dans social dans international donc grand pile monde qui allait de temps en temps et moi il commençait très populaire dans la communauté hein, et c'est une bonne chose parce que comme il a si bien dit nous pas réduire la culture haïtienne à seulement bal et c'est une raison qui portait nous qui inspirait nous à monter Cocktail TV Show. Jessler, et le dernier mot aujourd'hui, invitation à lancer, c'est tous les deuxièmes vendredis du mois. Deuxième vendredi de chaque mois, vendredi 4-8 juillet, avec nos boulots Valco. C'est pour la soirée de jazz et de comédie parce que nous avons un thème à toute soirée. Abgen boulots Valco avec nous là dans Casa Chapelle, vendredi 4-8 juillet. Et puis, après, comme nous dit, c'est jazz et comédie. Comédie à voir l'assurer par Aubry Blague. Et serviteur où Jessler Mézidor. Et que, c'est quoi l'admission? Combien l'admission? Bon, pour soirée, boulot Valcoula, admission pour 25$ à l'avance et 30$ à la porte parce que son cachet qui est plus ou moins lourd. Mais d'ordinaire, les novagons artistes qui ont sauté de l'autre côté, c'est 10$ avant 11h et 15$ après 11h. Donc, spéciale soirée avec Boulot Valcourt venant d'Haïti. Donc, bien content. Et parce que nous avons besoin de spectacles de qualité dans la communauté noire. Et donc, 25$ pour un ticket noir à l'avance. Il y a disponible dans Casa Champêtre? Oh, bien entendu. Il y a disponible ici. Dans Casa Champêtre, qui est dans Pembroke Pines, dans le coin Pines Boulevard et University Drive. Donc, nous connaissons le numéro de téléphone non? Et puis nous avons Jessler, tout nous capables de chercher Jessler sur Facebook, comme moi l'envahis Facebook, yo. C'est Jessler Mézidor. Mézidor, c'est avec Z. M-E-Z-I-D-O-R. Donc Jessler et social media, comment pour entendre votre avis? 786-285-5906. Sur Facebook, c'est Jessler, J-E-S-L-E-R, Mézidor, M-E-Z-I-D-O-R. Vous voyez, faire une question, vous voyez, message. Content pour me suivre. Bien, je sais, un grand merci. Et puis, Napton, c'est quel album, non? Et puis, ma parole le 8 juillet. Le 8 juillet. Merci, Farah. Nous allons pour publicitaire. Cocktail TV Show vous revient dans un moment. Taste of the Caribbean right here in North Miami, where fresh ingredients and your favorite Caribbean spices will delight your taste buds and the service will make you smile. Then come on down to Old King Creole Barbecue and Bakery. At Old King Creole, we specialize in three things: good times, affordable prices, and fantastic Caribbean food. So bring the whole family, bring your friends, and remember to bring your appetite for delicious, authentic Caribbean food. Old King Creole Barbecue and Bakery, located at 13695 West Dixie Highway,
North Miami, Florida 33161. Come on down the islands. Welcome back. Today we are going to talk about what it really means to be a person of service. Now, for example, would you pick up a piece of paper in your office or would you walk by? Would you care about the way the kitchen looked in your office or would you say, I didn't drop the coffee, I didn't make the mess, it's not my business? A person of service, a person of excellence, will actually be ready to pick up the piece of paper on the floor and put it in the trash, or will be so ready to wipe the coffee that fell on the counter in the kitchen. It doesn't matter if it's your work environment, your house, or somebody else's house. If you see that there is something that you can help with, of course, you need to ask authorization depending on the circumstance. You just don't touch people's things like that. But other example we can think of, would you open the door for somebody who's carrying heavy things or is unable to open the door, or would you be like, oh, that's not my business, he'll figure it out? Would you help, would you give your seat to somebody who's pregnant and carrying a baby, or would you say, I'm tired also, she can stand up, like we all both tired? A person of service, a person of excellence, will actually go the extra mile, will do the extra step to make the other feel comfortable. And this is not something that the person will feel sad about or uncomfortable. It's a way of living. It's a normal characteristic. So actually, it fulfills our heart. The person of service or the person of excellence get fulfilled by being available and by doing those type of things. It's a way of life. And the person of service will not expect a thank you, will not expect a I'm sorry, or will not expect something in return, because initially that person is not doing it for a thank you. The person is doing it because that's the true personality, that's the way of life that the person chose. Look around, observe yourself, and ask yourself the question, are you that person? Are you being selfish? Are you considering only helping the people you know? Or are you being of service to everyone? So, in conclusion, this is a way of life. This is the way you should be. And if you are capable of doing it, then you should do it, because it will make you not only be a better person, but it will also fulfill you as a human being, because we forget what really fulfills our self. And being of service is one of the things instantaneously fulfills you, compared to the materialistic things out there that are like temporarily or may give you happiness for a very short period of time, or really, really doesn't do much to you. You're still unhappy. Think about it. People who get involved in community services, they don't get paid. They invest energy, time, they invest so much in doing it. But at the end of the day, they come back home. They feel like they did something. They feel like they helped someone. And they feel so fulfilled. They feel happy. This happiness right there is priceless. So, just helping in your community, helping a stranger, even in your profession, it feels good to see that you have made a difference. Think about it. Be a person of excellence. Be a person of service.
be available, change your way of life. I'll see you next time with our next topic. Nous retournons et Cocktail TV Show qui a continué. Je dis à ma propre nom que nous dans Casa Champette, un restaurant haïtien qui est dans le coin University Drive et Pines Boulevard dans le sud de Floride. Là. Donc, et comme je sais à mes idées, c'est annoncé, là, rendez-vous, c'est tous les deuxièmes vendredis du mois dans Casa Champette pour Culture en Folie. Et puis, nous pas qu'à attendre. Boulot Valcourt qui a rentré dans le sud de Floride là, pour ses meilleurs titres, ses meilleures interprétations. Donc, mes amis, on nous dit Boulot Valcourt, nous avons l'autre qualité et on l'autre niveau de la musique haïtienne et son plaisir. Mais, par contre, pour nous, même déjà préparé pour mal prendre plaisir dans le programme ça. N'a pas rappelé que Ghostbusters était sorti dans le cinéma jour qui était 8 juin 1984. Sous direction Ivan Reitman, acteur américain yo, Bill Murray, Danny Quaid, Harold Ramis et Ernie Hudson, t'es composé équipe chasse fantôme yo qui t'es fait jouer tout le monde à l'époque là et même ça qui était moins jeune yo. Bel exploit avec aventure chasse fantôme ça yo, t'as pas continué jusqu'en début 90 yo. Avec Ghostbusters 2, qui sortit en 1989 avec même vedette. 30 ans après, comédie fantasy ça a tourné avec un nouveau caractère pour faire plaisir à une nouvelle génération dans un temps qui est plus avancé et pour un public plus exigeant. Fois ça, c'est une équipe mesdames que vous considérez comme comédien qui est comique dans Hollywood dans le moment ça. Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon et Leslie Jones pral envahir sa cinéma yo dans mois juillet qui a venu là sous direction Paul Feig. Dan Aykroyd c'est producteur exécutif. Ivan Reitman et Amy Pascal c'est producteur Ghostbusters 2016 qui coûtait 154 millions de dollars. Ça c'est 5 là. And you're watching the Cocktail TV Show avec Farah, the best. Looking for a taste of the Caribbean right here in North Miami? Where fresh ingredients and your favorite Caribbean spices will delight your taste buds and the service will make you smile? Then come on down to Old King Creole Barbecue and Bakery. At Old King Creole, we specialize in three things. Good times, affordable prices, and fantastic Caribbean food. So bring the whole family, bring your friends, and remember to bring your appetite for delicious, authentic Caribbean food. O King Creole Barbecue and Bakery, located at 13695 West Dixie Highway, North Miami, Florida, 33161. Come on down the islands. Depuis nous avons publicité ça, eh bien, nous connaissons, nous allons rentrer dans 13695 West Dixie Highway, dans notre Miami. C'est adresse au King Creole Restaurant. Un restaurant qui lui-même spécialisé dans manger et frais, manger qui pas gain en pile épices, manger qui pas gain en pile sel, en pile sucre, qui
pas bon pour santé nous parce que yo intéressé yo toute vision yo tout objectif yo c'est pour yo capable porter des plats de bonne qualité pour même ou même qui sont professionnels qui besoin préparer un lunch et meeting ou bien en conférence ou bien un séminaire et bien aucun restaurant yo service et professionnel yo tout business yo tout. Et puis nous-mêmes qui gagnons la caille, fête, communion, baptême, et bien, ouais, avec le King Creole, restaurant. Et puis là, comme nous avons dans la cuisine, côté chef Célestin, à recevoir chef Célestin qui est très occupé, mais toujours gagne un plat spécial que lui préparer pour téléspectateurs Cocktail TV Show. Bonsoir, chef Célestin, comment est-ce? Bonsoir, Farah. Et je connais que jeudi, ou un bagage spécial pour Mounio et qui s'allie. Je dis à nous gagner si nous t'a dit Mounio dit nous parler trop anglais, nous t'a dit nous gagner cribiche la caille moi. Ça c'est bail qui les nous petit ti monde, tout le monde connaît cribiche, ça c'est bail qui bon gens santé parce que on connaît leur besoin camper pour aller voir leur pas jeune maman, c'est cribiche pour manger. C'est nous dit ça, nous dit tout. Shrimp, cribiche ou bien écrevisse, et c'est tout nom que nous kabali et quelle que soit langue que nous parlons. Et donc, chef Célestin, ou pral montrer nous et préparation et écrevisse là. Mais comment préparer? Parce que nous connaissons plusieurs façons, écrevisse créole, gagne toute qualité. Donc, comment préparer jeudi? Bon, jeudi, on a bail au grill shrimp. OK, grilled shrimp ou écrevisse grillée. Donc n'attendez pas là pour préparation plat. Alors chef Célestin, nous gagnons là et comme ingrédients qu'on peut utiliser écrevisse et certainement frais, écrevisse frais, mais gagnons et plusieurs types d'écrevisse, gagnons qui petit, gagnons qui gros, gagnons les mêmes crevettes et qui type de et pour et shrimp, grilled shrimp. Ou écrevisse grillée, qui type de écrevisse qu'on utilise? Bon, nous utilisons ça qui, son monde a dit, nous a dit 25, c'est gros celle 25 by 16, ça c'est ça, qui est comme si pour ne pas coller en dedans, pour ne pas tomber dans la grille là. Et c'est même tout qu'on a jumbo yo. Yes, vous avez nous dit jumbo. Ok, ok. Donc, vous avez gros écrevisse ça yo, et pour préparer, et moi, vous avez épice pas, et on connaît que nous même dans Hawking nous gagne et propre épice pas nous. Dis-nous qui ça qui gagne dans épice ça. Bon ça fait épice pas nous hein, nous préparer on l'autre gens parce que vous c'est nous préparer avec oignon, piment douce, l'ail, poro et bon dernier bagaille nous fait nous pas dans bagaille servi avec bagaille conservé ou bien bagaille qui te gitan dans market ou bien l'autre côté dans au moins des 5 10 ans nous pas même connaît. Qui n'a pas mangé bagaille qui fraîche parce que c'est celle bagaille bon nous santé nous c'est ça bon fait nous cadeau. Donc produit qu'on joigne l'en marché la caille nous et là nous ici pour monde qui à l'étranger et bien et gagner marché tout donc assurez-nous pour nous acheter produit ça yo frais. Donc à part de écrevisse nous gagner oignon. Oui, nous gagner oignon. Nous gagner oignon, nous gagner piment douce que nous gagner tomate que parce qu'il n'a pas on en veg and shrimp qui nous pas même mettre bail produit chimique nous pas mettre magi nous pas mettre genre de bail ça non nous pas dans magi absent ça c'est pas bagaille pour monde manger ou connaître si n'a protéger santé nous c'est pour nous manger fraîche et naturel donc aucun manger. Eh bien nous va regarder comment les chef l'a préparé et écovissant là on va mettre épices là nan m'a macérer épices là nan écovisio ça c'est ça n'a saisonné ni parce que quand on fait nous mettre pour lui gain bon pour bon gens oignon avec piment rentrant dans les céleri avec le persil avec l'ail ça c'est bon bagaille. Il y a monde qui aime et piment piqué. Est-ce que vous recommandez que si mon aime et saveur ça que il ca mettre piment piqué là-dedans? Oh yes, si vous voulez piment piqué, qu'on y a au cas dit OK, ou besoin de petit genre piqué, qu'on y a nous ca mettre piment, nous ca add piment piqué là-dedans, mais nous pas faire les piquants.
puis m'appliquer hein parce que nous besoin nous quitter li naturel parce que il y a monde qui besoin qui pas manger au compte tout petit monde c'est baïo nous au compte tout petit monde c'est baïo nous vraiment pile nous remet chou nous remet cribichou nous on nous même ici nous remet et oignon pas oignon mais citron acidité dans manger nous dans viande nous est-ce que dans recette Paul là vous mettez acidité là-dedans oui nous mettez anti de l'eau citron parce que on est saison là dans saison à nous mettre saison là nous mettez parce que nous pour les ta gagner saison là pour sac là acide tellement élevé okay. Et c'est ça que nous mettez anti de l'eau oignon anti de l'eau citron okay. Là, là. Après qu'on finit masser, est-ce que vous recommandez que pour combien de temps qu'on quitte épicant masser dans écovissant? On peut quitter les pour bon, on peut quitter les pour une minute, dépend combien de temps vous besoin lien, mais 30 secondes est enough pour les saisons là. OK. Donc on gagne et on poêlon qui déjà est chaud qui gagne et c'est l'huile qu'on utilise ou bien c'est beurre qu'on utilise? Bon, ça nous utilise là, nous utilise beurre parce que nous avons besoin pour. Bon, on ne graisse pas, bon, pour les sauter simplement pour les cardiaques pour épices là en rentrant dans l'huile pour nos cardiaques grillés parce que c'est grillé, pas grillé, c'est ça que fait. Mettez-les dans le poêle pour les cardiaques ramasser collé. Ok. Comme nous, Carwella, on bel plat de écrevisse boucanée que chef moi accompagné avec un banane pesée. Oui, nous avons préparé avec banane pesée. Ça, son bagage, l'a fait, on fait together la caillou. Bon, n'importe côté, on mariage, on baptême, on communion, on n'importe quoi, t'as rien, mais présenté, on t'a rien, mais qui vont souvenir pour eux-mêmes, qu'on a présenté un plat comme ça, chouin, avec, ou bien on dit cribiche, avec banane pesée. Donc un samedi après-midi, nous même qui t'a la canne pas rien bien comme nous kawel, ton bagage bien simple pour préparer. Là la caillou, ganti et barbecue grill là rapidement ou passer dans market là ou acheter jumbo shrimp, ou acheter gros covicio et puis les deux trois amis vinn font petit get together n'a ba audience, n'a parler de Haïti et n'a parler de bons souvenirs d'enfance et puis et ti banane peser nous avec nous et puis n'accompagner ça avec un bien prestige ou bien un barbecue. Et ça dit chef là. Oh yes, quelques bouteilles champagne ou bien quelques grenadiers à tout. Mais sous passer qu'on a au king là, il y a plus bon toujours parce que toi chita ou enjoy ou après son monde qui peut-il servir ou un côté ou même pas même pour tuer tête dans redi travail au king préparer les pour. Donc chef là dit nous champagne. Donc c'est grosse célébration n'a fait la caille nous et nous même qui mesdames qui besoin et sucré que nèg nous. Ah bien. Prépare un petit écovis boucanet. Je suis que ça fait le plaisir. Nous avons besoin de gros cuisinières et nous avons besoin de gros chefs et nous-mêmes messieurs pour nous faire genre de place. Donc, nous avons fait ménage nos plaisirs, nous avons fait madame nos plaisirs et puis
comme chef Landil, pas ça n'a aucun dans tout. Entre amis, en couple ou bien entre et collègues de travail, vini goûter et crevis boucanéa. Comment on dit cribiche. Oui, parce que on connaît ça qui bon en pile jeune jeudi, c'est ça. Na cribiche te bon en pile bouillon cribiche. En pile bouillon donc on leur prépare un bouillon cribiche pour nous. Oui, yes, nous te ka di en créole cribiche là, les nous tête simon, ça c'est ba nous te kon manger en pile et bien jeune jeudi, parce que na au king là, même ça nous te kon manger depuis nous tête simon, n'a mangé jusqu'à grand monde. Tu parles en pile chef là, bon goûter et crevis ça. M'a ba nous nouvelle. Non. Passe non au king non, vin prantil et crevis boucané non. Grill shrimp. Comme n'a bin en restaurant dans notre mamie, n'a dit grill shrimp. OK? À la prochaine tout le monde. Alors, place ça, c'est pour nous toutes qui paraît pour nous passer en très bonnes vacances. Donc, mes amis, nous travaillons pendant toute l'année. Hein. Vacances, c'est pas seulement pour Timounio. Songez que nous-mêmes, tout, nous besoin ressourcer, nous besoin prendre un petit temps pour nous capables détacher, nous déconnecter de tout travail, le quotidien, le train-train, le stress et au boulot et les activités professionnelles. Donc, nous besoin un petit moment pour nous capables profiter et famille, là, profiter de monde que nous aimons, que nous pas gain temps pour nous visiter. Donc, tout ça bon. Et bien sûr, avec le beau temps, le soleil. Donc, et nous-mêmes qui en Haïti, profiter aller à la montagne, à la ville de province et à la plage, profiter découvrir une zone que nous pas connaît en Haïti. Et puis, nous-mêmes qui à l'étranger, pourquoi pas? Aller chercher qu'on est une zone que nous pas connaît parce que il y a de monde qui vivent à l'étranger pendant des années et même ici dans sud Floride là pendant des années si on demande nous qui route pour nous faire pour nous aller dans la mer nous pas connaît parce que nous seulement n'a fait c'est n'a défendre awa hein n'a défendre awa n'a défendre paycheck donc c'est pas seulement paycheck là qui est important timon est important famille est important monde que nous aimons important pour un petit temps pour eux c'est vacances donc il fait beau il fait bon. Donc, c'est le moment pour nous de nous ressourcer. Donc, c'est là que m'a quitté nous et en espérant vous retrouver la semaine prochaine et pour une autre édition de Cocktail TV Show qui a bien sûr gain couleur vacancieux. Donc, préparez-vous à passer de très bonnes vacances avec nous à une prochaine édition de Cocktail TV Show. Bonsoir tout le monde.